mon deuxième film, je lui ai donné un rôle dedans, enfin un double rôle même d'ailleurs. J'avais fait plusieurs clips avec elle et je lui avais dit, toi, je t'aurais. Zazie, elle est excellente comédienne, mais ça la fait chier, ça l'intéresse pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est chanter ses chansons et raconter les histoires des autres, ça la branche pas. Elle veut raconter ses histoires à elle, ce qui est tout à fait légitime. Mais bon, j'ai quand même réussi à la coincer une fois. Je pense être le seul, à ma connaissance. Je pense pas qu'elle ait fait autre chose. Et c'était plutôt une bonne expérience, c'était bien. Mais effectivement, elle est douée pour ça, quoi. Elle y viendra peut-être. L'idée de l'Inde, c'était pas la mienne, même si j'avais un peu un rendez-vous avec ce pays, puisque j'ai fait de la danse indienne quand j'avais 10 ans. Et en même temps, par rapport à l'intensité de ce qu'on avait essayé de faire en termes musical, c'était bien qu'on n'ait pas un pays comme ça anodin et voilà, juste un pays étranger exotique, quoi. Il y a une force, on a franchement le cœur au bord des yeux en permanence, et donc c'est aussi une remise en perspective intéressante pour un artiste d'aller là-bas, inconnu évidemment, puisque franchement je ne suis pas connue en Inde, et de travailler avec eux. C'est quand même la première industrie de cinéma au monde, donc ils ont un savoir-faire invraisemblable. C'est un peu notre intime étranger, l'Indien. C'est en même temps très très loin de nous, parce que ce sont des survivants, ce sont des gens qui sont dans une problématique qui nous échappe. C'est une confrontation à soi-même, en fait, sans la chercher forcément, on la trouve, ou alors oui, bon, si on reste dans un car et qu'on fait un truc, un circuit, on la trouve pas, mais là, en l'occurrence, on l'a vraiment trouvée. C'était très fort pour nous parce que nous, on tournait une fiction et on faisait face à leur réalité, et eux, dans leur réalité, faisaient face à notre fiction. Donc c'était un échange intéressant, quoi. En fait, on voulait un peu faire ce que fait la musique pour un film d'habitude. On voulait faire la BO, mais en image de la musique, que ce soit le travail inverse, quoi.